C'est sans doute ça l'enfer. Être né et avoir grandi enfermé dans cette ville. Jamais je saurai ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Bonjour. Ça va pas? Bonjour. Non, ça va pas du tout. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je n'en peux plus d'être enfermé dans cette ville, dans ces murs. Toute ma vie, je n'ai vu que ces murs. Mais tu sais bien que c'est notre lieu de vie et qu'on n'a pas le droit d'en sortir. Oui, je sais. Mais j'étouffe ici. Je sais même pas s'il y a quelque chose, là, de l'autre côté du mur. On ne peut pas aller hors des murs. C'est pour notre bien, pour nous protéger. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Nous enfermer pour nous protéger? Je n'y crois plus. Je n'ai plus aucune confiance en ceux qui nous gouvernent. Je crois qu'ils nous racontent ce qu'ils veulent, juste pour qu'on se tienne tranquille. Je veux fuir cette vie, sortir de cet enfer. Mais tu es bien ici, on a tout ce dont on a besoin, non? Non, il me manque l'essentiel. Te manque quoi? La liberté. Tu veux vraiment aller hors des murs? Oui, je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je suis sûr qu'il existe un moyen d'aller au-delà du mur. Tu as raison. Comment ça? Il y a un moyen, une sorte de passage secret. Mais une fois qu'on a traversé, il n'y a pas de retour possible. Une fois dehors, tu ne pourras plus revenir. Ça m'est égal. Tout sauf rester ici. Tu veux vraiment tout abandonner? Oui. Je veux fuir cette vie. Bon, alors suis-moi. C'est là? Oui, c'est là. Tu t'es bien décidé, t'es sûr? Oui, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Bon, alors ne bouge pas. Raphaël Mayame Zabialme. Alors, tu viens? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, oui ou non? Non. J'ai un peu peur, là. Tu as peur? Tu m'as expliqué que tu voulais en finir avec cette vie. Et maintenant, tu me dis que tu as peur? Ben oui. Là, on est enfermé, mais en sécurité. Là-bas, c'est l'inconnu. Ben oui, c'est l'inconnu. Mais c'est ça qui est magnifique. Faut savoir ce que tu veux, mais il faut que tu te décides maintenant. Le passage va pas rester ouvert très longtemps. Bon, allez, je viens.
C'est incroyable. C'est donc ça, la liberté. Oui. Mais c'était quoi la phrase que tu as dit devant la porte? C'est la phrase du géant d'Émeraude, celui qui garde la porte du 9e cercle de l'enfer de Dante. Ah.